Il est beau, il est beau. T'as chaud ? Maître Jacques à l'Oursinade. Mars 2017, on n'est pas bien sur la Côte d'Azur ? J'ai cassé mon pic. Ah ! C'est moins facile. Ouais, ça fallait faire les mains. Attends, laisse tourner. Ben voilà, bel apéro. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Ronan, t'es où? T'es où, Ronan? On est au Cap d'Antibes. C'est pas mal hein, comme site. On est le 12 mars et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Bonjour. Oui, alors, chef? Bah écoute, le produit. Hein. Voilà, pour ceux qui se demandent ce que David Forfait, bah, il fait les oursins. Les oursins. Que l'ami Jacques a eu le courage, parce qu'on est quand même au mois de mars, hein, il fait bon, mais par contre, l'eau, elle est pas remontée en température, hein, a eu le courage d'aller pêcher, il nous a passé un petit coup de téléphone, et bon, bah, apéro au bord de mer. Hein. Bah, allez, hein. Et c'est parti, hein. C'est parti. Donc, toujours ça, hermaphrodite, de sexe. Eh, hey, bah oui, hein, faut le savoir quand même. Et de hermaphrodite, il y a Herma. Voilà, et puis Madame Herma. C'est hein, ça. C'est l'humour du dimanche, hein, vous m'en voulez pas. Il est tôt, il est 14h. C'est 14h du matin, hein. Attention, c'est là, on ne bouge pas. Donc les oursins en Méditerranée, enfin, c'est Jacques qui m'arrête si j'ai des bêtises. Hein. Principalement 5 couleurs et que 3 de comestibles. Oui. En comestibles, on a les verts, les bordeaux et les marrons. Voilà. Les noirs, on peut les manger. On peut trouver éventuellement de temps en temps des royaux. Des blancs. Le royal, voilà. Et c'est des petites épines qui sont violettes, qui sont mauves, avec le bout qui est blanc. Mais ceux-là, ils sont quand même extrêmement rares. On n'en voit pas beaucoup, par contre. Et voilà, ils sont énormes, ils sont fabuleux. Et puis il y a aussi les noirs, mais en général, le noir, il n'y a strictement rien dedans. Ouais. Et on le reconnaît, hormis la couleur noire, parce que des fois, au fond de la mer, la couleur, c'est pas facile. On les reconnaît. Ils sont appelés, ils sont beaucoup plus plats, puis ils ont aussi des aiguilles beaucoup plus petites. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. On a du corail bien foncé, on a du corail blanc. On a du corail. Ah non, ça c'est pas du corail, c'est du rosé tout court. Il y a un peu trop de. Il y a un peu tu as ton corail. Oh là là, là, là mais la plage avec le vert ou. Santé, hein. C'est ça le sud, hein. Bon, ça va, on vous dérange pas, nous on ouvre et puis vous faites quoi? Vous comptez les points là? Ouais, c'est ça, on attend que ce soit prêt. Vous ayez fait la cuisine. Alors en ce moment on voit plein de photos, plein de vidéos de gens qui s'éclatent avec des oursins mais sur des terrasses de restaurants. Et ah l'oursin... non mais ça c'est pas pareil. Alors c'est bon, c'est déjà bien. Moi j'aime pas. Mais l'oursin, là où il est le meilleur, c'est quand même quand il vient de sortir de la mer. Déjà parce qu'il se. La texture de ce qu'on appelle le corail, ou plutôt les gones, elle change très très rapidement. Et en les dégustant en sortie de la mer, déjà on a le goût bien bien iodé, puis on a des gones qui sont beaucoup plus fermes. Voilà. On va voir. Bah, vous avez le plateau à droite, hein. Il y a du monde déjà d'ouvert en gone. On voit bien toutes les couleurs en plus, c'est formidable. Ouais, c'est bien coloré. Hein. Joël, là, qu'est-ce qui se passe? Les oursins, c'est dangereux? Bah ouais, je me suis pris une épine dans l'œil. Bah puis, voilà. Il a pété le carreau. Il a pété le lorgnon. Et voilà, accident. Bon bah super, allez, va t'acheter des lunettes. Alloura. Bon. Testing. Testing. Pudding. Allez. Le produit. Alors, t'as pris un quoi? T'as pris un orange clair? Moi, j'ai pris un petit orange clair avec des jolies petites gones. Mais je l'ai choisi bien, bien rempli. Il n'est pas trop iodé. Comment ça, il n'est pas trop iodé? Il sort de non. La mer. Ouais, mais il est assez équilibré, il est délicat. Il est équilibré, c'est pas du. Quoi que j'allais dire, c'est pas du caviar, mais en quelque sorte, c'est notre caviar. Mais ça ressemble à du caviar. Ça ressemble à du caviar. Ouais. Moi, bah, je suis amatrice de caviar, pour ceux qui me connaissent bien. Bah, franchement. Alors, celui-là, c'était un orange relativement clair. Je vais prendre un plus marqué ouais, maintenant. Voilà, mais je vais finir, tu le finiras plus tard. Vas-y, ah non, mais, attends, mais ça va. Attends. Je commence pas pour ne pas. T'as vu ce table? Bon!
Maintenant, je vais taper dans le foncé, là. Dans le vif du sujet. À mon avis, ça, c'est déjà plus iodé. Déjà, il est plus vieux. On n'est pas la fenêtre ici. Il est plus gros. Ouais. C'est de moi que tu parles. Plus vieux, plus gros, plus, non, plus moche. Pourri, quoi. Et c'est là qu'il y a une belle vague qui arrive. Il y a une vague qui est fichue. Donc là, il est bien, bien salé, celui-là. Il est déjà beaucoup plus iodé. Bon, moi, de toute façon, j'adore les ours. Donc, on va arrêter de vous faire saliver. On va couper parce que moi aussi, j'ai envie de goûter. Je crois que... Et puis, je crois qu'on est d'ailleurs, pas tout seul et je crois que les autres n'en peuvent plus. On n'est pas les seuls. Arrêtez de parler. Alors, tout à l'heure, on parlait de... Non, mais allez-y, parlez, filmez. D'aller faire les oursins. Il y a un petit détail qu'on n'a pas dit, si vous voulez tenter l'aventure et vous ne connaissez pas, quand on est en surface et qu'on visualise les oursins au fond, on parlait des oursins noirs qui n'ont strictement rien à déguster. Comment les reconnaître en surface? C'est que les oursins noirs, on les voit bien, et que les oursins violets, les marrons et les bordeaux essaient de se camoufler, et dessus il y a toujours un petit peu des algues, du gravier, voilà, il y a du coquillage, ils essaient de se cacher, ils n'y arrivent pas, hein, ils essayent. Bah non, parce que la preuve, alors que le noir ne met strictement rien sur lui, il sort nu. Voilà. Donc le noir sort nu, c'est la fin du film. C'était la phrase du jour. Et on parle des oursins, parce que moi je veux pas m'ennuyer, hein, Mamadou. La minute de Monsieur Cyclopède. Allez, à bientôt.